Ok, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire en fait d'un jeune Burundais, d'origine burundaise, qui ne veut plus retourner au Burundi. Ni d'avoir, il veut plus avoir d'amis burundais. Il veut plus. Il a banni complètement tous les Burundais. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer cette histoire. Également, dans l'autre partie de cette vidéo, je vais t'expliquer la leçon numéro 25 avec des très importantes remarques. Et à la fin, on va conclure sur l'histoire de mon jeune ami, mais il faut pas que tu rates cette histoire. Afin d'apprendre le Kirundi, le Kinyarwanda, le Swahili, rends-toi sur notre plateforme audikalibuk.com. Imani Chobolavios. Ok, sans plus attendre, je vais prendre cette histoire. En fait, c'est un jeune Burundais vraiment qui était en Europe, en fait. Il était d'origine burundaise et qui est allé au Burundi. Il avait vraiment Pour la première fois, il avait vraiment l'envie, il avait vraiment, en fait, ce goût de trouver son identité. Donc, il a pris vraiment l'avion, il est arrivé là-bas, il a pu retrouver ou rencontrer des membres de sa famille, etc., etc. Et il s'est retrouvé face à plusieurs choses, à beaucoup de moqueries parce que son kirundi était très mauvais, à beaucoup de moqueries. Comme des exclusions, beaucoup de problèmes de moquerie, de bavardage autour de lui. On l'insultait Dieu blanc. Et lui, il ne retrouvait plus son identité, en fait. Il se disait, Jawindi, quelle personne je suis et quelle est mon identité? Et il s'est retrouvé vraiment encore pire qu'au départ. Oh, l'importance de son identité était complètement perdue. Il se retrouvait vraiment comme on lui disait le Burundi. Et lorsqu'il est reparti, il avait le cœur brisé. Il est retourné vraiment encore pire. Hein? Il a banni tous les Burundais en retournant. Il a dit, il est retourné. Il avait déjà banni avant les Blancs. Maintenant, il bannit les Burundais. Et il se retrouvait en fait bloqué, hein, seul. Hein? Cette histoire-là, lorsqu'on m'a partagé, et puis moi, je lui ai dit trois points essentiels. Le secret pour éviter cela. Et c'est des secrets aussi que je donne à celui qui est dans le même cas que lui. L'important, c'est de se connaître soi-même. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs qui sont incarnées en toi? Parce que lorsqu'il m'a raconté cette histoire, il m'a dit, mais il avait été dans l'optique de se rencontrer des mauvaises années, c'est chercher à se faire aimer, à être aimé. Et ça, c'est le besoin naturel. Mais à être aimé, donc il venait pour chercher des gens avec qui être ami, sans avoir quelque chose en lui, avoir une valeur. Donc il venait juste mendier. C'était un mendiant de l'amour. Ensuite, l'autre valeur, c'est pardonner, ne pas généraliser. Coco, lorsque tu vas faire ton expérience, si tu as déjà fait ton expérience, tu as déjà allez, tu n'as pas pardonné, tu as banni les autres. Hein? Parce que ça s'est mal passé. Il faut vraiment pardonner et refaire une nouvelle expérience. C'est quelque chose, c'est un élément clé. Ensuite, il faut aimer le Burundi. Oui. Quand je dis aimer le Burundi, c'est aimer le Burundi, l'avancement du Burundi. Et ne pas aimer le Burundi. Les Burundais ne sont pas tous des amis. Oui, ils ne sont pas tous des amis. C'est quelque chose qu'il faut comprendre et arrêter ce bavardage. À essayer de se faire aimer juste par chercher d'être aimé, de s'identifier. Et les secrets pour ça, se connaître soi-même, le secret fondamental que j'appuie dessus, c'est la connaissance de l'Esprit Saint. Se reconnaître à travers la puissance de l'Esprit Saint. Et ça, je rappellerai pendant mes leçons qui seront à venir. Et aussi qui sont là, car cette puissance-là permet de franchir vraiment beaucoup de barrières au Bozimabka, oui. Crois-moi. Et ensuite, le dernier point, c'est vraiment travailler pour le Burundi, entreprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à innover, beaucoup d'idées à implémenter. Parce que c'est comme si c'est dans certains domaines, il n'y a pas de fondation. Un petit travail gagne vite de la valeur. Et donc, c'est aussi encourageant. Et le Burundi a besoin d'entrepreneurs.
Ok, c'était vraiment les points clés. Et toi, vraiment, si tu as cette histoire, si tu as aussi une histoire, n'hésite pas de nous écrire en privé comme cette personne qui nous disait, oui, j'ai honte, en fait. Vraiment, j'ai honte. J'ai honte de moi, je ne connais pas. Donc, c'est quand je suis là, j'ai honte. Quand je prends l'avion, j'ai mal au ventre. Je sais qu'on va se moquer de moi dans l'avance. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut vraiment connaître. Ok, maintenant, sans plus attendre, je vais me passer à la leçon. Donc, cette leçon numéro 25 où j'ai décidé, après plusieurs discussions avec moi-même, de trier ensuite, voilà, d'expliquer trois concepts assez faciles. Pas faciles, les deux, le premier est assez difficile, mais les deux suivants sont assez faciles. Yanchobo Kera, Kova, Koshika, Aok. Ça, je veux que c'est quelque chose que tu puisses comprendre et utiliser lorsque tu vas pouvoir commencer à utiliser, à faire des exercices personnels. Je n'ai pas donné d'exercice dans cette leçon. Ça demande aussi un travail personnel. Donc, commençons avec le premier. Ici, je veux vous montrer une notion très importante en Kiromanti. Quand je dis Uriko Orambeshera, en fait, Kubeshera, ça signifie mentir sur, hein? Mentir à sur quelqu'un. Hein? Donc, ça veut dire Uriko Orambeshera, ça veut dire tu es en train de mentir sur moi. Hein? Je vais prendre un petit tableau blanc comme ça. Urambeshera. Donc, c'est cette notion de c'est pour moi, donc c'est sur moi. Tu mens sur moi. Il ne faut pas confondre Urambeshera. Urambeshera. Et ça veut dire plus tu me mens, hein? Mais pas sur moi, hein. Tu es en train de me mentir. Et c'est cette notion qui est très importante. Donc, Urikorambeshera, donc Kureshera, cette partie dérivée qui est très importante à connaître. Pourquoi je dis ça? Parce que ça revient beaucoup. Et c'est là où tu vas pouvoir vraiment montrer, monter en Kirundi, avoir plus de compétences, parler plus, comprendre plus lorsque tu arriveras à utiliser ces formes-là. Donc, bilanchobokera, donc les choses sont possibles pour moi parce que je crois. Et donc, kushobora, ça veut dire pouvoir, kushoboka, être possible, kushobokera, être possible à, être possible pour. Bilanchobokera. Donc, si je dois l'écrire, c'est être possible pour moi. Donc, cette notion, voilà, ici, de moi. Et le bi ici que j'expliquais souvent dans les classes, hein, cette notion de la classe qui bi, donc bi, la classe 6, oui, qui se réfère, qui est liée directement à ino. Donc, ces choses, sous-entendues, ces choses-là. Donc, Piranchobo qui est là. Donc, sont possibles pour moi. Ensuite, ça, c'est très important de connaître. Celui-là, je l'aime beaucoup. Nogururira, c'est très important. C'est quelque chose, c'est ouvre-moi à moi. Eh? Nogururira. Nogururira. Ouvre-moi. Eh? Ouvre-moi, hein? Pas ouvre-moi, ouvre pour moi, hein? J'aime le traduire comme ça. Et comme tu l'as pu le voir, Kogorora, ça signifie ouvrir. Si je te dis Ogorora, Ogorora, c'est ouvre, hein? De façon, mais Nyogororira, c'est ouvre à moi. Et
Donc ici, c'est comme si on peut mettre Nyoko Rurira. Ça, c'est très important. C'est quelque chose qui est difficile, bon, pas facile de l'utiliser par soi-même. Dagusengera. Là, je ne vais pas écrire sur le tableau, mais là, tu vois que Gusenga, c'est prier. Gusengera, c'est prier pour. Dagusengera, donc, je prierai pour toi. Tabasengera, je prierai pour vous, pour eux. Dagusengera, je prierai pour lui. Et voici un autre exemple. Unzanira maer. Donc, unzanira, tu sais que kuzana, ça veut dire apporter. Kuzanira, apporter à. Apporter pour, donc, unzanira maer, unzanira amaera, c'est apporte l'argent à moi, unzanira amaera. Unzanira. Par exemple, si je dis, par exemple, le verbe kwandika, kwandika, qui signifie écrire. Si je les utilise kwandikira, écrire à, écrire pour, la kwandikira, t'écrirai à toi. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de très important à connaître. Ensuite, il y a une chanson que je voulais te partager, où tu vois le verbe gushimira, donc remercier pour, remercier à, remercier, donc, ça vient de, donc il y a Gushima, Gushimira et Angirira. Angirira, c'est, ça vient Angirira, je vais l'écrire. Angirira. Angirira. Donc ça vient du verbe Kugirira, qui signifie faire pour. On se rappelle du verbe kugira qui signifie faire. Donc, le N ici, c'est pour dire, donc, angirira, donc c'est qu'il a fait à moi, qu'il a fait, qu'il fait à moi, qu'il fait pour moi. Et donc, si je reprends la chanson, c'est une chanson qui dit, Dashimi, Omokama. Kovisavyo sangirira sinore ka komikina ibiyevyo sendamuyaga. Et donc ça c'est une chanson qu'il faut connaître. Dashimiye omukama kovisavyo sangirira sinore ka komikina ibiyevyo sendamuyaga. Et ici, la notion de sinoreka, que j'ai pas encore expliqué, que je me dis, même dans le livre, je n'ai pas expliqué en détail parce que c'est une notion de, d'imparfait. Sinoreka, sinoreka, c'est l'imparfait, je ne cesserai pas. Tu as vu que je l'ai traduit, je ne cesserai pas. Sinogenda nashimye, donc, Sinogenda, on se rappelle la chanson, je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Mais je vais l'écrire, je vais le permettre ça dans une autre vidéo. Ensuite, il y a une autre chanson que je trouve très importante, où il y a beaucoup de choses, beaucoup de concepts à comprendre. C'est Madukore vinshi tutabikwiye batubere imana muri byose mana sengwa na bose shema na bose isi yose tatsiri tina ya hawe. Thank you.
Donc, c'est surtout le wadukoleye, gukorera, donc faire pour, gukora, c'est de faire, travailler, mais gukorera, wadukoleye, tu as fait pour nous. Je vais plus écrire maintenant parce qu'il faut s'habituer. Tu as fait beaucoup pour nous. Donc, juste le wadukoleye, tu vois que ça fait beaucoup. Des fois, tu veux traduire, tu te dis, ah, le pour, comment on dit pour en kirundi? Oh, yeah, là, c'est là le piège, c'est là où tu vas. En anglais, tu vas te dire fort, fort, fort. Ah, c'est facile. Mais ici, là, il faut commencer à jouer avec le verbe. Et c'est pour ça que j'insiste sur les verbes. Et aussi dans le livre que tu dois acheter, si tu ne l'as pas acheté, je ne peux pas tolérer, que tu dois vraiment travailler ça. Et dans ce livre, en maîtrisant le livre, en maîtrisant à l'oral le livre, tu parleras de Kiwandi. Ensuite, Watuberimana, tu as été pour nous. Et c'est très important. Tu as été pour nous. Ça vient en fait, ça dérive du verbe kuba. Et c'est très important de connaître aussi ça. Et donc là, je te demande d'analyser, de connaître les paroles des chansons. Ensuite, passons maintenant à une partie plus simple. Kuva Gushika. Donc, Kuva, c'est partir de, oh, ça vient du verbe, hein? Venir, hein? Gushika, arriver. Donc, mais ici, on l'utilise d'une autre manière. Kuva Kuagatato, Gushika Kuruyuwakan. Donc, à partir de mercredi au jeudi, mais je préfère traduire Ushika comme jusqu'à. Donc, partir, si on faisait une traduction littérale, partir de mercredi, arriver à jeudi. Et la dernière, c'est Kovu Utsorobabanu. Utsorobabanu. Ok. Donc, je voulais montrer que le Kova, tu l'utilises comme à partir, Kovu. Et Kovu, j'ai pas d'autres exemples, mais connaître ça. Et le dernier, c'est le Aroko. Là, j'ai donné un simple exemple. Sinzofa, Aroko, Zoram. Et ça, c'est, je ne mourrai pas, plutôt je vivrai. Et si tu connais les 3 points qu'on vient de voir et les bien les maîtriser, tu vas pouvoir aller de l'avant. Mais on arrive à la fin de la leçon, mais retenons aussi la conclusion de cette histoire de mon camarade. Il faut avoir confiance en toi. Aie confiance en toi et appuie-toi sur la puissance de Dieu. Appuie-toi sur la puissance du Saint-Esprit. Car Dieu dépasse tout. Il dépasse tout. Et comprends les concepts qui sont ici. Et connais les paroles des chansons. Chante le Seigneur. Et n'oublie pas que Imani Shobara Kios. Et achète ton livre.